Coucou les filles! J'espère que vous allez bien, moi ça va hyper bien. Les filles, aujourd'hui on se retrouve pour un énorme haul PLT. Les filles, quand je vous dis énorme, je rigole pas, j'ai commandé plein d'articles. Pour cet hiver, vous allez kiffer. Moi qui ai pris énormément de poids, je n'arrive plus du tout, les filles, à m'habiller en magasin. Et PLT, c'est vraiment, mais vraiment, une valeur sûre pour commander. Si vous êtes mid-size, à partir du 40-42 et que vous savez pas trop où vous habiller, franchement, PLT, les filles, vous allez voir ce que j'ai pris vraiment. Avant de commencer, les filles, bien sûr, vous vous abonnez si c'est pas fait, vous mettez un petit like, ça m'encourage toujours énormément. Les filles, venez me suivre sur Insta, sur TikTok et sur Snapchat, c'est là où je partage tous les jours. Et bien sûr, à la fin de la vidéo, vous me laissez un petit commentaire. Les filles, franchement, PLT, vous savez, c'est mes hauls préférés. Les vêtements sont sublimes, ils taillent hyper bien, surtout moi qui ai énormément de forme, franchement, j'ai rarement vu ça. Donc je vais tout vous présenter là. J'ai pris des vêtements, des chaussures, des manteaux, franchement, vous allez adorer. J'ai commandé un manteau, les filles, je l'ai testé bien avant de faire ce haul. Oh, mes pépites, il faisait moins 4 degrés, il neigeait. Je n'ai pas eu froid une seconde avec ce manteau. Franchement, c'est l'un des meilleurs manteaux que j'ai testé de ma vie. D'habitude, mes manteaux, je les achète chez Zara, H&M, Pull&Bear. Zéro, vraiment zéro lui. Alors déjà, les filles, regardez la moumoute à l'intérieur. Il est très oversize. Bon, moi, j'ai pris une taille au-dessus. J'aurais quand même dû prendre une taille en dessous parce qu'il taille vraiment très grand. Et j'ai adoré le détail au niveau des manches comme ça. Donc, il est un petit peu marron comme ça. Regardez plus près. Et là, vous avez un petit peu de la fausse laine, vous voyez. Et franchement, il est trop agréable à porter. De toute façon, vous allez mieux le voir ici en image et en vidéo. Vraiment, les filles, moi, je déteste habituellement les manteaux. Je trouve que ça me va pas, ça me tasse, ça me grossit et tout. Lui, franchement, pépite. Franchement, les filles, si vous cherchez un manteau qui vous tient très chaud et je le mets presque tous les jours, bah franchement, y a rien. Y a rien qui va pas. Que les manteaux Zara, Pull&Bear et tout, je sais pas, il s'effrite et tout. Franchement, il me saoule. Lui, c'est mon manteau chouchou. Même mon copain, il fait que me dire pourquoi tu le mâches 24. Parce qu'il tient trop chaud, il est trop bien. Par contre, il est lourd. Franchement, les filles, il est très lourd. Donc, le sac, je le mets en dessous et après, je mets mon manteau parce que sinon, deux couches, c'est pas possible. Vous mettez même une petite robe en dessous et tout. Franchement, même pas la peine de trop surcharger. Il est canon, je l'aime trop. Ensuite, j'ai pris un petit blazer comme ça. Vous voyez, effet laine en gris anthracite. J'aime trop, j'en avais pas. Et je trouve que cette couleur, ça fait vraiment très classe. Il y a des petites épaulettes ici. Et ce que j'ai adoré, comme je vous disais, c'est la matière. Franchement, effet fausse laine comme ça, j'adore. Il y a une petite poche noire ici et de l'autre côté. Mais franchement, ce blazer, je l'adore. Celui-ci, j'ai pris une taille 42 et il me va parfaitement. Je voulais pas trop qu'il soit oversize ou qu'il m'aille grand. Je voulais bien qu'il soit cintré. Je trouve qu'un blazer comme ça, un peu, vous voyez, effet laine, ça fait hyper classe et ça change un peu d'un blazer classique. Ensuite, j'ai pris un petit pull en maille. Alors lui, je l'adore, j'ai trop hâte de le mettre. Regardez le détail comme ça du col avec la fermeture, j'adore. Les manches sont assez bouffantes comme ça. Il m'a l'air d'être vraiment trop bonne qualité. La maille a l'air vraiment très épaisse. Vous voyez ça, c'est vraiment des pulls à avoir lorsque vous avez la flemme de vous habiller avec un jean, un pantalon. Ça passe direct. Vous avez le détail comme ça du col pour un petit peu habiller. Alors ça, les filles, pépite. J'ai pris une robe moulante, mais magnifique. En gris comme ça. Par contre, au niveau des rayures, je trouve que ça grossit. Donc, c'est grave dommage. Mais bon, c'est pas grave. Déjà qu'elle est très moulante. Et j'ai adoré regarder le col comme ça. Vous avez juste à le placer comme ça sur les épaules. Ça fait trop beau. Je vais vous montrer avec quelle paire de bottes je vais assortir cette robe. Vous allez kiffer. Elle est très longue, très moulante comme je vous disais. Et là, il y a une petite fente derrière, donc canon avec des bottes ou des cuissardes. Les filles, vous connaissez toutes, je pense, les bottes Givenchy qui sont magnifiques mais extrêmement chères. Bah, j'ai trouvé le dupe chez PLT. Regardez les filles comment elles sont trop belles. On dirait trop les Givenchy. En plus, si vous avez des gros mollets, ça passera parfaitement. J'ai adoré le détail ici, franchement, comme les Givenchy. Vous avez un talon qui est assez bien, je trouve. Et là, la petite pointe au niveau du devant. Je trouve que ce talon-là, ça fait pas trop mal aux pieds parce qu'il est quand même assez épais. Donc franchement, j'ai trop hâte de les porter avec la robe là, ça va faire un look mais je vais adorer. Ensuite les filles, je sais pas pourquoi j'avais trop envie de commander un perfecto comme ça, tout simple en simili-cuir noir. J'en avais pas et je sais que c'est pas trop la saison parce qu'il fait très froid, mais en printemps j'aime bien mettre ça ou même en automne. Vous voyez qu'on sait pas trop s'il fait froid ou s'il fait chaud. Je trouve qu'un perfecto, ça se marie vraiment avec tout. Donc j'ai pris celui-ci. Je vous dirai à la longue s'il est de bonne qualité parce qu'à chaque fois les perfectos, vous voyez, ça s'effrite là au niveau du simili-cuir. Donc à voir dans le temps. Mais sinon la matière, elle m'a l'air quand même assez épaisse, donc pas mal du tout.
tout. Et moi, j'adore regarder les filles, le détail ici au niveau de la ceinture pour bien serrer. Je trouve que la ceinture, elle est pas trop épaisse, elle est assez fine. Donc ça, c'est très bien parce qu'à chaque fois, quand c'est grave épais, ça grossit. Donc franchement, j'ai hâte de la tester et de vous dire bah, si c'est de la bonne qualité ou pas. Et ensuite, les filles, je sais pas pourquoi, sachant que j'en ai 28 000 à la maison, j'ai pris un trench beige. Je sais plus si c'était lui que j'avais commandé ou pas. Il faudra que je re-regarde. Mais il m'a l'air trop beau. Dommage qu'il ait pas bien repassé pour que je puisse vous montrer. Mais il est vraiment très large, très oversize. J'ai pris une taille 42, les filles. On dirait que j'ai pris du 48. Il est très, très large et très long. Et moi, j'adore les trenches comme ça avec une grosse écharpe. Pour l'hiver aussi, ça fait hyper beau. Bon, au printemps, bien sûr, ça habille tout de suite la tenue. Mais là, pour l'hiver, c'est sympa. J'ai adoré le détail comme ça au niveau des épaules avec les petits boutons. Vous avez la ceinture ici pour bien ajuster à la taille. Donc ça, trop canon. Et voilà, il est vraiment très large et très oversize. Donc j'espère que ça va m'aller parce que ça m'a l'air vraiment très large. Ah, j'ai pris tall. Mais je me suis trompée, je pense. Bon, bizarre. Parce que je pense... Faites voir. Moi, je pense qu'il va m'aller jusqu'en bas. Donc ça peut être pas mal aussi. Bon, à voir avec quoi je le mettrai. Donc voilà les filles, ce haul est fini. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle pièce vous avez préférée. Moi, franchement, de toute façon, à chaque fois, je vous le dis dans mes hauls PLT, je trouve que c'est les meilleurs parce qu'ils ont vraiment des pépites et de très bonne qualité. Des fois, c'est vrai que je commande sur Boohoo et tout. Et je trouve que des fois, la qualité sur certains articles, les filles, bien sûr, petit disclaimer, c'est pas top. Surtout que des fois je prends à chaque fois des grandes tailles hein. En termes de vêtements, en termes de prix, en termes de matière, de durée dans le temps, franchement PLT, vraiment bravo, j'adore. À chaque fois leurs vêtements, je kiffe, surtout les vêtements d'été les filles. Ah, vous savez, dès que je pars en vacances, je fais une commande PLT parce que c'est pépite. Mais là franchement, c'est la première fois que je commande en hiver et je suis agréablement surprise, surtout le manteau les filles. Par contre voilà, il est pas donné, c'est peut-être pour ça qu'il est hyper bien. Si cette vidéo vous a plu, vous mettez un petit like. Les filles, venez également sur Snap et Insta. J'attends à chaque fois de vous voir, mais j'ai l'impression que vous ne venez pas. Surtout sur Snap les filles, je poste tous les jours. Donc venez. N'oubliez surtout pas de mettre un petit like, les filles, ça m'encourage toujours énormément. Quand je vois vos petits likes, ça me fait toujours trop plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Mouah.